Rendez-vous dans 3 ans ? Eh bien, oui. Au même endroit, à la même heure, pour le raccrochage. On aura vieilli. On n'aurait pas le roulé, on cartonnerait pas. Il y a beaucoup d'endroits qu'on cartonnerait pas, mais là, comme on doit le rouler, le transporter, quand bien même c'est pour 1 heure, finalement, on protège plus qu'on a prévu. Faut tirer plus. Attends, il y a un pli là qui se passe là. Oui, mais tu sais, le pli, il est induré. C'est pas coquet ? Vous avez fait ça toute votre vie. Et on le remet dans le camion. Donc là, en fait, il y a un repas très ponctuel ici qui correspond à la déchirure, qui est, enfin pas la déchirure, mais les lacunes, la succession de lacunes. Et là, il y a ici un repas mastiqué. La bonne surprise, c'est que la peinture qui originale restante est en bon état. C'est-à-dire que, enfin en bon état, en tout cas, elle n'est pas en cours de fragilisation. Elle est usée parce que déjà nettoyée par le passé, il y a des lacunes, mais ce qui tient, tient bien. Ce qui est propre à la restauration de Rama, là, c'est la superposition. On fait 3 couches. On
le fait pas systématiquement quand ce sont des tableaux où on en fait moins, on varie moins les adhésifs. Là, c'est vraiment ce qui est spécifique, c'est justement la superposition de grammage de plus en plus fort. Et on termine avec un papier bulle qui est assez fort hein, quand même. Après avoir retourné la toile, on l'a montée sur ce fond de travail fixé et actuellement on décolle la toile de doublage, de rentoilage de sa toile originale. On s'attache à ce que toutes les actions soient réversibles, y compris ce qu'on enlève. C'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'on ne puisse rien enlever d'original, bien sûr. Et tout ce qu'on ajoute à l'œuvre doit être facilement réversible. C'est-à-dire qu'on étudie les adhésifs de façon à ce que même dans plusieurs dizaines d'années, il soit possible de les retirer sans abîmer l'œuvre. Bon, on y va ? Je vais prendre mon ordinateur par contre.
On va scanner d'une part, et on peut mettre dans un quart d'heure, mais on va d'accord. Oui, mais ce que dit, c'est que ça va marquer. Ça peut marquer. Ça va forcément marquer, parce que ça c'est une tissu. C'est pas si mal. Ouais, donc, alors oui, non mais on est carrément comme ça là-bas. Il faut Bon, là celui-là il est bon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu soit un rétrécissement du lait central, soit un étirement du lait latéral gauche, qui fait que le lait latéral gauche se trouve aujourd'hui plus grand que le lait. Centrale, c'est de l'ordre du centimètre de décalage dans les deux sens, enfin, en hauteur et en haut et en bas. Donc c'est sur 5 mètres, c'est quand même pas. Attends, j'ai beaucoup de retard. Ça tient, c'est accroché. C'est beau. Bon, ça, c'est pas. C'est léger, c'est plan. On peut qu'à mettre les lumières. Je suis exprès. Moi, je suis embuté là. Allez, on va faire. C'est pas mal là. Et là, c'est beaucoup trop fort. Ouais. Baisse quand même un peu. Ça, c'est que ça serait la lumière du matin. Et puis progressivement, ça passerait à la lumière du soir. Et en fait, si je les mets tous à moyen terme, tous en moyen. Mais moi, je supprimerais ceux du bas. Tu supprimerais ceux du bas. Ouais, et je ferais. Voilà. Tu vois, parce que ce qui est important, c'est quand même les fenêtres. Enfin, tout est important, je suis d'accord, mais à mon avis, les fenêtres étaient vraiment. Ça. Elles sautent à quel niveau à peu près les fenêtres? Tu veux dire, dans la niche. Les fenêtres. Par rapport à la tour.